Loger, insérer et recréer du lien, ce sont les maîtres mots d'Habitat et Humanisme. Ajar, emménagée ici en 2011 grâce à l'association. APL déduite, elle paie moins de 200 euros de loyer. Un prix modéré car ce logement appartient au parc foncier de l'organisme. Mère de deux enfants, elle est veuve depuis maintenant 2 ans. Et pour elle, l'association n'est pas qu'une simple aide au logement. Il y a le prix, oui, c'est vrai, mais il y a aussi le côté... je me sens en sécurité. Parce que c'est pas seulement une association, c'est comme une famille pour nous. Donc il y a le soutien moral, il y a beaucoup de choses en fait. Du soutien et du réconfort apporté par les bénévoles. Et les bénévoles, l'association en a besoin, tout comme les dons. D'où cette idée originale de donner 1 heure de son temps ou de ses revenus au moment de passer à l'heure d'hiver. Le chanteur dijonnais, Yves Jamais, ne s'est pas fait prier. Descendre les poubelles. Il y a des gens qui se cassent pour faire des choses pour les autres. C'est bien de le faire savoir. Je suis sûr qu'il y a un tas de personnes qui aimeraient le faire, mais qui ne savent pas forcément que ça existe. Moi, je le fais pour d'autres associations. Il faut le faire constamment. Une opération de communication pour une bonne cause. Habitat et Humanisme luttent contre la précarité depuis plus de 30 ans. Alors voilà, le logement, je dirais presque que c'est le point de départ. Parce qu'au-delà du logement, on a l'insertion professionnelle, on a des activités qui leur servent aussi à s'épanouir, enfin trouver un équilibre de vie. Trouver un équilibre de vie et aussi une véritable famille, c'est aussi ça l'esprit de cette association.